Salut sur Triforce TV, on va jouer Isaac pour aller battre The Beast. Isaac D6 en hard facile. Facile en hard, évidemment. Facile, pourquoi? Uniquement parce qu'en fait on peut reroll les objets. Genre ça, j'aime pas trop, tu vois. Je crois que ça c'est mieux, damage up, speed down, mais damage up quand même. Donc c'est un bon starter, on va dire. J'ai pas trop de soucis sur le fait qu'on va gagner de la speed au cours de la run, donc c'est un petit sacrifice que je suis capable de faire, speed down. Oula. Attention l'ami. Ok, un cœur bleu ici, c'est cool. Alors The Beast, et si en plus on arrive à avoir une crack key dans la salle de la Dad's Note, bah ça sera mieux. Comme ça on débloquerait le perso Tainted Isaac, ça pourrait être cool. Les pilules. Est-ce que c'est pas le bon moment pour les pilules? Ouais, carrément. C'est moins risqué. Oh là là, la salle de sacrifice de tout à l'heure. Quel dommage. Je serais tombé sur les 25% du Mysterious Paper et on était bien, on avait The Lost. Mais non. Non. Il fallait que ça soit autre chose. C'était peut-être l'effet de Missing Page ou un autre truc. C'était pas Missing Poster, malheureusement. Parce que bon, The Lost a débloqué, c'est quand même... The Lost a débloqué, c'est quand même un peu le random. Hein. C'est soit t'as de la chance et tu tombes sur le Missing Poster, aïe. Soit t'essayes de l'avoir le Missing Poster avec Mom's Box. Et alors là, c'est ce que j'ai essayé de faire hors stream et c'est juste infaisable, quoi. Il y a trop de trinkets. J'arrive pas à faire pop le Missing Poster. Puis alors je pense que le moment où t'arrives à avoir le Missing Poster de la Mom's Box, tu ne trouves pas de Sacrifice Room. C'est évident. C'est évident que ça se passe comme ça. Donc c'est chiant. Bon, j'ai eu raison, je pense, de tenter le coup du Mysterious Paper. Deux pièces seulement. Ok. Moi j'aimerais bien le cœur bleu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va faire ceci. Oh là là, limite, hein. Vraiment limite. Le jeu un peu radin. J'aurais dû faire la Curse Room. Eh bien, putain, mais pourquoi j'ai ouvert là? Remarque, on pourrait aller là, mais on veut faire The Beast, donc j'ai gaspillé une clé là, mince. On sait bien, on a des mouches grâce au Rotten Penny. Et déjà notre D6 de charger, donc ça serait bien de trouver l'item room rapidement. Histoire d'avoir le dé chargé pour le boss. Parfait ça. Nickel, le magasin aussi vite là. Encore un cœur bleu et le mystery gift. Alors ça fait très plaisir parce que si on peut l'avoir et qu'on l'emmène genre dans une secret room, bah on peut éventuellement faire pop des beaux objets, voire god room. Si j'arrive à le garder jusqu'à la god room, bah oui, mais non, il n'y aura pas de god room sur cet étage, donc non, le rêve ne sera pas réalité, ce sera pas god room, mais une petite secret, ça pourrait être cool. Room, ça serait très bien. Merde, on a déjà trouvé le boss. C'est dommage. Oh là là, c'est risqué. On a eu chaud. Parce que les ennemis d'élite qui font un dégât entier, pas plaisir. Bah, on va faire le boss tout de suite, hein. Comme ça, possibilité de reroll l'objet du boss. Oh, j'aime pas ça. Oh là là. Oh le combat de boss qui pue.
Oh les gurglings, je les déteste. Qui les aime de toute façon, hein. Alors HP up. Vas-y, reroll. Ah, ça c'est bien ça par contre. Ça c'est très bien. Des bombes, un matchstick. Pour trouver encore plus de bombes. Il y a une batterie au magasin ou pas? Bon, après on a que deux pièces, mais... Oui, il y en a une. Intéressant. Parce que bon, le D6, hein... besoin de beaucoup d'énergie quand même. Oh, parfait ça! C'est même mieux que la matchstick. Ouf. Ouf, ouf, ouf. De la crotte de nez. Allez, de la pièce, là. On veut des pièces. On veut des pièces. Et bah que dalle. Bon là, c'est chiant. On a des bons trinkets. Et on peut pas tous les porter, on peut pas tous les avoir, c'est dommage. Ah, pas de clé! Oh la tristesse! Pas de clé! Bah merde alors, dommage. Dommage, ça sera pas sur cet étage l'objet. Oh là là, la déception là. Maintenant on peut avoir une clé. Est-ce qu'on récupérera pas encore 5 pièces de plus pour la batterie? Pour avoir des possibilités de reroll. Bon, la machine de don, elle est capricieuse, là. Allez, on fait ça. Si je le reroll, ça va être pire. Pas mal le Headless Baby quand même. Hein. Avec le creep rouge là. Pas mal du tout en fait. J'avais envie de faire la Curse Room, mais en fait, mon cœur noir, j'ai envie de le garder. Non, bah c'est pas grave, on y va. On garde le Nos Goblin. Hein. C'est vraiment mieux. Les mouches, c'est cool, mais je pense que... Les crottes de nez, c'est mieux. Bienvenue dans Binding of Isaac. Les crottes de nez, les mouches, les caca. La salle horrible. Vraiment, hein. Vraiment horrible. Ah, mais le Small Rock! Bon, on était déjà lent, on est encore plus lent. Quel enfer, 60 de speed. Vraiment, il faudra se trouver des objets de speed, là. Une petite belt, un petit road rage, un petit speedball. Parce que bon, là... Bon, après, le dégât fait plaisir, là. 6,45, c'est magnifique, hein. Ok, on va faire l'item room déjà. Hein. Docteur Fœtus. Est-ce que ça tournerait pas au drame ça? Oh. J'aurais dû prendre Docteur Fœtus. J'aurais eu des bombes infinies. J'étais un peu gourmand là. Allez-y, allez le bisute lui, là. Après, ils se rendent compte que... Oh, un petit cleft end. Après, j'aurais dû peut-être recharger encore le D6. Pour reroll encore l'objet. J'aurais peut-être dû faire ça. Il
Bon, après, lui, il peut avoir un intérêt, on va dire, le punch bag, là. En fait, on va reprendre le Nosgoblin, hein. Le Leften, on s'en fout, hein. Magasin. Cœur bleu. Oui, cœur bleu, en fait, hein. Qu'est-ce qu'on est lent. Heureusement, on fait pas le boss rush. Alors, les boss rush ne seront pas dans les objectifs de la to-do list, bien sûr, parce que c'est uniquement si on a l'occasion qu'on les fera. Mais ça sera pas un objectif. Alors que là, The Beast est un objectif. De même que Mega Satan et Delirium, ça sera vraiment des opportunités. On vise les fins de chemin. Oh là là. C'est vrai ce qui vient de se passer là? Un tir si facile à viser? Ouh là là, j'aime pas ce combat, comment ça se passe. Oh, j'aime pas du tout. Linge. Vas-y, on va les clear. On a 5 bombes. Est-ce qu'on essayerait pas de trouver la secret room? Peut pas être à gauche. Donc déjà, c'est ça. Peut pas être à gauche là non plus. Oula, oula, oula là, oula là. Restez loin, vous. The Emperor. Ah, pour une éventuelle curse. Pas très plaisir cette salle. Hein. Oh le nul, j'en peux plus. En fait, j'ai vu l'autre arriver à gauche. Et j'ai pas pensé à celui de droite allait me mettre en tenaille. Choupdaoup. Le sac of bomb. Le bomb bag. Vas-y, bomb bag. Et voilà. On garde The Emperor. On va aller à la curse. Rah. Donc là, elle peut être à gauche. Elle peut être en bas. Donc moi, je la sens bien là. Hein. J'ai pris le cœur bleu du magasin, je ne sais plus, je crois que non. Ou alors je l'ai pris et je m'en souviens plus. Je l'ai pris et je m'en souviens plus, c'est ça. Ok. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que sinon. Oh là là. C'est pas le. Little Horn. Non, bah je pensais que c'était la dent de chien. Mais non, elle est noire celle-là. C'est une corne. Ouh là là, la Curse of the Blind. On n'est pas très content. Ah mais ça fait des flammes... Enfin des larmes... Ocular Rift là avec les vortex. Non, c'est pas ça quand même. Sac à PV. C'est pour faire quoi ça? Charge Friend. Ah oui, ça fait de l'électricité entre les. Ça se tente, on va essayer de jouer ça, on va voir si c'est fort. Surtout qu'il y a l'autre là.
qui se fait victime, donc du coup c'est bien. Ça fait plein d'électricité. Oh, c'est plutôt cool. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc non. Curse of the Blind, c'est non. On pourrait faire des expériences, mais... Est-ce qu'on a envie que ça se passe mal? Pas vraiment, non. Oulala, on va se détendre, j'ai dit. Il me faudrait tellement un cœur bleu là. Je hais cette salle déjà. C'est sûr et certain que je la hais. Et voilà. Et voilà. Il fallait que ça arrive. C'est pas les pics, c'est les larmes. Oh là là, je suis dégoûté. Au revoir, ma Godroom. Restons loin. Oh, magnifique. Et range up. Bon, on aimerait de la speed surtout. Si c'est possible. Un brin de speed serait agréable. Parce qu'à 60, là... On va pas aller loin. Où est le magasin? Pas ici. Vas-y. Tout ça pour ça, une pièce, un cœur. Oh, la tristesse. Bon, maintenant qu'on a perdu notre... notre chance de Godroom, bah, on va peut-être faire la curse. Ah, c'est ça, les Little Horns. C'est les larmes avec le... Bah, avec les Little Horns qui emmènent les ennemis dans les tréfonds et les bas-fonds. Ce qui serait bien, c'est que dans la curse, il y ait des cœurs bleus. Après, bon, voilà, je prends mes désirs pour des réalités. La secret room serait pas au-dessus là. Ah, superbe. On les adore, les mini pins. Bah non, elle peut pas être au-dessus pour le coup. Elle ne peut pas. Ah, pas de cœur bleu ici. On va faire ça au moins. Parce que 23%, c'est quasiment une chance sur 4, donc c'est cool. Ok, donc la secret room peut pas être là, elle peut être à gauche. Elle peut être en haut. Oui, elle peut être en haut. Elle peut être là. Et non. Elle peut être au-dessus, par contre. Ah, on va vérifier ça. Permettrait de faire une petite curse gratuite. Ah. Ah ouais. Et non. Ah, merde. Quel dommage. Attends. Il n'y avait pas un moyen d'accéder à la Curse Room sans se faire trop de dégâts? Je sais plus. Alors du coup... Où est-ce qu'elle est, cette Secret Room? Elle serait au-dessus, là? Ah ouais, c'est faisable, ouais. En effet. Eh oui. Oh, le briquet, c'est vachement cool, ça. J'ai plus envie de prendre ça. À mon avis, ça va être plus efficace. Vas-y, on va faire la curse. S'il y a des cœurs bleus dedans, je serais content. Évidemment qu'il n'y en a pas. Oh là là. Oh là là.
pas très grave, on a un cœur rouge. Et on va filer au boss. D'ailleurs, la super secret, il y a éventuellement un emplacement. On a 9 bombes. Après, elle est moins en moins proche du boss, la super secrète, c'est ça le problème. Ah bah pour être en bas d'ailleurs là. Mais pour être en haut ici. Ah non. Donc. Elle serait en bas là. Non plus. Bon bah trop d'emplacement, laisse tomber. Parce qu'elle peut être tout à droite, elle peut être en haut, elle peut être tout en bas. Beaucoup trop d'emplacement. Oh non mais sérieusement quoi. Il y a 6 larmes qui partent, je prends la seule qui était proche de moi quoi. Ce jeu est un scandale. Et pas de God Room. Ah bah oui, mais c'est parce que j'avais pris... j'ai pris un coup ici, ouais. Le Curse of the Blind. On prend donc... Oh, magnifique. Magnifique. Oh. Oh, le Petrified Poop, j'avais pas vu. Oui, on va le... Ah, on va le prendre. Non, pas forcément. On est où, là? On est à Caves 2. Ah oui, bah non. Il y aura quasiment plus de caca, donc non. Le Petrified Poop, c'est en début de run, et puis c'est tout. Après... C'est vraiment pas avantageux. Ok, donc notre D6 est chargé. Mais bon, pour l'instant, avec des Curse of the Blind et compa... Putain, c'était pas mon sang. Mais non, mais pas eux. Mais l'enfer. Vous êtes trop en plus. Ils foutent du sang partout, je les déteste. Oh mon dieu. Voilà, le lighter, c'est ça qu'on aime avec le lighter. On fait des dégâts dès qu'on arrive. Ça, ou alors... Toxic Shock aussi, c'est pas mal. Dans le même esprit. Agréable cette salle, dis donc. Déjà Depth 1 avec ça. Oh le plaisir cette salle, dis donc. Oh. 4 caca. Je dois dire que. Ah. T'as voulu voir ce que c'était que le petit truc? C'était une bombe. Voilà. Notre punching bag, on l'adore. Sans lui, hein, on prendrait cher. Je prends des risques, hein. Ok, alors... Ça, ça aurait été très bien à l'étage précédent. En Curse of the Blind. Ça aurait été très très bien. Mais non. Oh là là, l'horreur. Je les déteste. C'est sûr que je les déteste. On est obligé de taper la grande salle qui va sans doute être horrible. Alors ça pourrait être pire, mais c'est quand même pas très agréable. Oh là là, oh là 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 là. Ouais, va bien sur le sang, voilà, parfait. Voilà, bien. Voilà, nickel.
L'horreur, hein, vraiment, les squelettes noirs. À avoir de loin, de très loin. Parce que dès qu'il croise ton regard, c'est l'aggro. Ça, c'est beau, par contre. Bah, tu t'es perdu, toi? T'as perdu ta maman? Ok. The Emperor, une fois de plus. Oh. Oh là là, il se fait frapper. De manière... Oh là là. Oh là là. Heureusement, il y a ça. C'est la contrepartie, hein, parce que... cette carte The Sun, bien sûr qu'on l'utilise dans cet étage, bien sûr qu'on l'utilise, et du coup full life, et on peut encore essayer de le... Virus, parfait, et un speed up, ça fait plaisir. On est revenu à 80% de speed. Ok. Ah, parfait, on voit l'item room. On va pouvoir y aller. Je la cherchais, justement. Merde, dommage. Ah, j'aurais dû la laisser, elle aurait explosé ça. Bon, après, on a beaucoup de bombes, donc... Ah. Super. IPCAC, hein. C'est déjà un peu mieux, ça. Vas-y, un familier. En cas de conjoint, c'est pas si bête. Oh. Elle est dégueulasse, cette salle. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Tu dois esquiver tant de tirs. Heureusement, on a de la range. Mais horrible. Merci, le Boiled Baby. Merci, c'est grâce à toi. Attends, on va faire un petit tour au magasin parce qu'on a Steam Sales. Je suis désolé, hein, je suis très lent. Hein. Vous avez le chapitrage sur YouTube si jamais vous voulez passer ces séquences du... Putain, ces séquences du malaise. Surtout sur les pics. Ouais, on pourrait avoir le hors-glace, mais très sincèrement, on va plutôt faire ça. Pour le boss, pour l'objet de boss. On va faire attention, attention les piques, attention, attention, attention. Ok, on a un cœur bleu ennemi, donc qui nous protège pour la God Room, mais on vient de pas faire le con, quoi. Ouf, oh bon, beaucoup d'argent. Allez, c'est parti. Quoi déjà? Mais attends, mais j'ai eu le temps de rien faire. L'aggro direct. Oh là là. L'aggro direct. C'était violent quand même. Ball of Bandage, non. Ah bah, HP up. Ok, ça va. Holy light! Très cool, on a une luck de 0, donc c'est améliorable, mais voilà, au moins. Alors, est-ce qu'on fait l'ange? Dans certaines runs, ça s'était mal passé avec Gabriel. Après, s'il prend cher, pourquoi pas? Va dans le feu pour voir, viens! Ah, il a visé l'autre.
Voilà, voilà, viens dans le feu. Oh, c'est l'horreur là. Il est en train de bolos l'autre là. Ouais, vas-y. Du coup, il a des patterns un peu chelous parce que comme il va aller voir le punch bag, il se déplace plus en 8 comme il fait d'habitude. Bon, c'était pas ouf, hein. Mais au moins on a le morceau de pièce. Ouais. Ça c'est quoi? Evil Up. Je crois que ça augmente les chances de trouver des cœurs noirs éventuellement, mais bon. C'est pas ouf. La Curse Room, le problème c'est qu'on va perdre notre dernier demi-cœur bleu. Mais bon, qui ne tente rien à rien. On peut aller voir aussi la Change Room, tiens. J'avais pas pensé. Mais la Change Room, le problème c'est que bon, s'il y a un coffre doré, bah il me reste une seule clé. C'est pas ouf. On va voir. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a là? Un coffre normal. Bof, hein. Après, ça chargerait le D6 un petit peu. Si ça se passe mal, il y a The Emperor. Allez, vas-y. Les petits snipes. Ouais, ouais, acharne-toi sur lui, ouais. Il l'aggro vraiment très souvent, en fait, hein. Ouais. On se calme, on a dit. Voilà, le Holy Light qui proc, ça fait plaisir. Bon, c'était dangerous, mais on a géré. Et on a donc 3 charges de plus. Allez, vas-y. On sait jamais. Bah voilà. Parfait. On a gagné un demi-cœur bleu. Oh non, ça c'est chiant. Ça, on s'en fout parce qu'on quitte l'étage. Dommage. Bon, on a gagné un demi-cœur bleu. Mais par contre, la luck négative, ça c'est relou pour Holy Light. On aimerait avoir des Lucky Penny, ce serait cool. Ok, donc c'est l'étage The Fool. C'est Depths 2. Super le sang. Super. On voit tellement bien tout. Ok, donc il reste un demi-cœur bleu. Est-ce qu'on n'irait pas là? Ah, le I'm Excited, il s'arrête pas d'un étage sur l'autre, en fait. C'est un timer. Oh là là, l'enfer. Ah, super. Voilà, là, on est à poil. Faut vite trouver des cœurs bleus. Hein. Peut-être justement la salle d'arcade, hein. Ouais, mais non, il n'y a rien qui donne des cœurs bleus, là. Hein, rien du tout, hein. C'est nul. Il n'y a même pas de machine... de slot machine normale. Oh, c'est dégueulasse, ça. Ça va. J'étais entre deux rochers et j'avais même pas vu. Putain, ça fait être le drame. Oh là là, mais quelle horreur. Ah putain. Même les larmes Little Horn, finalement, elles vont être plus rares à cause de la luck négative.
D6, la salle d'objets. Oh là là, la Psyfly! Elle est tellement bien, cette mouche. On reroll pas ça, évidemment que non. Putain, si on l'avait eu un peu plus tôt dans la run, on aurait été un peu mieux. Bon, il n'y a plus qu'à trouver le magasin. Bah vas-y, hein. On cherche des cœurs bleus. Ah, il faut... Alors du coup, il faut... Attends, la... pour avoir la crack key, la dernière fois, ça remonte tellement longtemps, j'avais laissé un trinket dans la salle où il y a la dad's note. Et je crois que c'est là que ça change en crack key. Donc faudrait refaire la même chose. Une fois qu'il y a la dad's note, je lâche mon trinket et normalement elle se transforme en crack key. Si j'ai bien compris le truc. Parce que je sais plus, je crois que j'avais un trinket pourri, je l'avais laissé. Et... Non, je crois même qu'il y en avait deux, je sais plus trop ce que j'avais fait. Et ce qui est dommage, c'est que le lighter, il est vachement cool pour toute la remontée vers home. C'est vachement bien quand même. Donc bon. On va voir. Le magasin, ce serait bien de l'avoir parce que là, en plus, on a un poop doré. Avant que ça soit le bordel dans cette salle. Ah bah, on parlait de la mom's box pour The Lost, voilà. On pourrait générer un trinket là d'ailleurs. Hop, le calport. Et là on pourrait reroll la mom's box. Oh, on a le melter. Ah mais alors faut faire gaffe parce que le smelter, on va garder l'effet du lighter. Parce qu'après il n'y a plus d'objet après le... À la remontée, il n'y a plus d'objet ensuite. Hein. Donc le D6 me servira plus à rien. Là, je vais fondre mon lighter. Je garde le calport. Et c'est lui que je laisserai à Dad's Note. Éventuellement. Éventuellement, on peut faire comme ça. Alors par contre, il faudrait que je trouve la carte The Fool. Ça serait bien. L'argent ne sert plus à rien. Hein. Donc on va mettre l'argent dans la machine de don qui a pris très cher ces derniers temps. Et on va d'ailleurs ouvrir la porte, enfin ouvrir ça, prendre l'argent ici. Parfait. Et voilà. Bah attends, on va d'abord chercher The Fool. On va clear l'étage. Ouais, il y a le crâne marqué normalement dans cet étage, il me semble. Ah, rocher marqué aussi d'ailleurs. Mais des bombes, pas des cœurs bleus. Où est-ce qu'il est ce crâne marqué? Il n'y en a peut-être pas. Ça se trouve, il n'y en a pas tout le temps en fait. J'ai jamais vraiment fait gaffe. Mais ça veut dire qu'après, t'as pas vraiment le choix de ce que tu peux faire. Donc ça serait étrange qu'il n'y en ait pas tout le temps. Mais là, on dirait vraiment qu'il n'y en a pas, quoi, en fait. Ou alors, j'ai déjà utilisé The Fool. Non, non, ça ne dit rien. Bah, il n'y a peut-être pas de crâne hein, dans cet étage. Hein. Et je peux peut-être pas faire... Je peux peut-être pas faire The Beast. Ah si, il y a un crâne, là. Mais il n'a pas de croix. Lui, il en a un? Non. Mais il n'y a pas de crâne avec des croix, là. On peut pas. Y'a pas de The Fool, comment on fait? Ah mais c'est dommage là. Attends, j'avais été ici. Oui. J'ai fait toutes les salles là? Non, pas forcément. Hein. Attends, on va toutes les refaire, bien comme il faut. Ah,
Ah, c'est fou, ça. Ah, merde, c'est chiant. Mais attends, mais si on peut pas faire The Fool, là, ici, comment je mets le négatif dans le... dans la porte? Ah, la tristesse. Il n'y en a peut-être pas à chaque fois, hein. C'est peut-être pas de bol. Ah, il est là. Oh, bah putain, il était bien caché, hein. Voilà. Ok. Bah là, du coup, maintenant, on peut faire... on peut faire Mom's Foot. On va mettre l'argent dans la machine. Bloque-toi derrière, c'est plus simple. Ah, il est trop gros. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, parfait, c'est même pas bloqué. Merveilleux, on va juste exploser lui. Voilà, 2% de plus. Et puis, bah, vas-y. Putain, mais il y a un rocher marqué ici. Oh là là, qui a dévié? C'est le boy baby. Il a dévié le... putain, la baise. Ah, c'est dégueulasse. J'aurais dû laisser faire le maman pour le rocher marqué. Ça aurait été mieux. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On prend des dégâts? Non. Faut être... ouais, mais ça va jamais marcher parce que j'ai trop de cœur rouge là, en fait. On prend quand même, mais... bah si, ça marche tout le temps, en fait. Ah oui, mais je le perds, là, le négatif. Voilà, bah oui. C'est le problème, hein. Je suis full cœur rouge ou pas? Je ne sais pas. On va les regarder. On va... il y a un cœur rouge qui traîne. J'espère qu'il est accessible, c'est tout. Ah non, j'étais pas full cœur rouge. Allons-y. Super. Alors qu'il restait une mouche. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui a explosé? Putain, mais ça m'énerve. Merci pour le cœur bleu gratuit, mais là c'est la mendicité là. C'est la pitié là. Ah génial, génial. Ah super. Ouais, va... mais on se fait mais défoncer au mausolée à chaque fois. Oh là là. Mon dieu. Ah mais c'est vrai qu'il y avait un autre magasin encore. C'était pas le dernier magasin. On aurait pu prendre ça. on peut fondre le cale-porte, mais en fait, on va garder au moins un trinket pour la salle de Dad's Not. Par contre, il y a une ATM room, on est d'accord. Oh là, ça pue ça. Ah. Ouais, mais si on change mon objectif, je suis pas contre non plus, en fait. Oh le bordel. Oh le bordel. Oh le bordel. En plus, c'est des sacs à PV, ces trucs-là. Hein.
Mon dieu. Ah, plus de clé, mince. Oh, c'est dégueulasse. Oh là là! Le Little Horn qui a détruit la statue. Ça, c'est beau. J'aimerais une clé. Ce serait top. Ah, parfait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Waouh, les bombes enflammées là. On va essayer plutôt de piffer ça là. Dépression. Oh pardon. Donc dépression, c'est pas mal. Le creep qui fait mal, en plus du creep qui fait mal de du Headless Baby. J'ai plein de familiers mais j'ai pas conjoin alors. C'est que c'est pas des familiers de type bébé. À part le Boiled Baby et le Headless Baby. Wow, a black hole. On débloque des choses encore. Eux, c'est un peu comme avec The Adversary. Il faut arriver à se mettre dans leur dos quand ils ont décidé de faire leur brimstone. Oh là là, mais pourquoi il a reculé d'un coup, en fait? Au bout d'un moment où il a fait sa boule, là, il a reculé d'un coup sur moi. Ok, bah vas-y, hein. On y va. J'aurai un smelter éventuellement pour des trinkets sur la remontée, mais... Faire juste un petit tour au magasin. On pourrait essayer de faire ça. Hein. Missing poster. Sérieusement? Pas de sacrifice ici, éventuellement. Bah oui. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Bah oui, bah voilà. Putain, on le voulait à la run précédente. Et là, il y est pas. L'esprit de contradiction. Hein. Donc on laisse un trinket dans cette salle et il se transforme en crack key normalement. Et là il va pas se transformer, tu vois. Ah si, c'est bon. Sérieux. Merci la mouche. Elle est vraiment top. J'aurais peut-être clear un peu les étages parce qu'en fait, il y a peut-être potentiellement moyen de trouver encore des cœurs bleus. Parce que bon, le lit qu'il y aura dans la chambre, malheureusement, ne donnera pas de cœur bleu parce que je suis déjà... J'ai des cœurs rouges en fait. Il faudrait que je n'ai zéro cœur rouge pour que ça donne des cœurs bleus.
Dégueulasse ça. Oh là là, les rebonds de l'enfer. The World, non, pas très intéressant en fait. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to. You're drunk again. Shut up! Shut up! Oh les pécac. Il a failli m'avoir hein. Genre il s'est dit ah oui, il va faire le tour par là, je vais lui balancer en avance. J'ai pas vu dans quelle direction il allait en fait. Ah bah du coup on peut reprendre ça. Parfait. Ah c'est génial ça. Mais attends mais... Il y avait un more options? Non. Comment ça s'était passé? J'avais le choix entre les deux et là je peux reprendre l'autre choix? Ou alors c'était un Curse of the Blind? Oh je sais plus. Il y a un cœur bleu là. Ah bon? Il est où? Ah. Oh, strength, c'est pas mal, mais bon. Faut garder la cracky jusqu'en haut. Attends, non, je peux avoir plusieurs trucs, non? Mom's Purse, c'est quoi? C'est More Trinket Room? Ouais, je crois que c'est More Trinket Room, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas Mom... Attends, c'est Mom's Coin Purse qui permet d'avoir plus d'espace pour les pilules et les cartes? Je sais plus. Ouh là là, ça met... Ce genre de situation... Horrible. Faut surtout que j'enlève mon doigt du bouton pour utiliser la crack key. Vraiment. Ce serait une mauvaise idée que ça arrive. Ah, il y a une autre crack key. J'avais laissé un autre trinket ici. C'est un truc de fou. Donc en fait, je peux laisser des trinkets où je veux. Ils se transforment en... En crack key en fait. C'est un truc de malade. Donc ça veut dire que si je fais pop... Oh là là, attends. Ça veut dire que si j'ai Mom's Box et que je laisse des trinkets un peu partout, j'ai des crack key partout en fait. Et je pourrais explorer des salles rouges. C'est un truc de ouf. Oh là là, et j'avais pas été dans cet item room. Attends, c'est vrai? Oh! Ah, les objets que j'ai pas pu prendre, en fait. Je vois ce que c'est. Putain, j'ai envie d'utiliser une crack key, là. Par contre, comme les salles sont différentes, il y a peut-être seulement les item rooms et les salles de boss. Parce qu'il n'y a plus les magasins, il n'y a plus... toutes les salles sont différentes, à part... Boss et item room en fait. Et peut-être la salle de départ aussi. Et du coup on pourrait Vas-y attends. Si j'utilise une crack key ici. Ah non. J'explore des salles mais avec des ennemis. Donc c'est pas très intéressant en fait. Non bon. Tant pis. On va garder l'autre pour Tainted Isaac. Ouh. On l'a déjà pris cette pilule? Pousse-toi, toi.
Ah non, on va pas tenter. Le bad trip, il fera pas plaisir. Hein. Ça, je pourrais le smelter. En fait, quand il y a des Curse of the Blind, ça peut être vachement cool. Parce que ça veut dire que tu laisses les objets et tu remontes et tu sais que tu vas les retrouver parce qu'il n'y a plus le Curse of the Blind en remontant. Aïe. Donc il y a des strats hein, avec, avec la remontée vers Home. Hein. Oula. J'ai perdu mon cœur bleu entier. C'est un ennemi d'élite qui m'a... Putain, j'ai cru que... Ici, ça devait être un ennemi d'élite. Oh la main. Oh la tristesse. Ça, ça fait plaisir. Donc si je tire suffisamment là, je peux détruire la statue en fait. Ah c'est ouf! Putain. Il y a des strats finalement avec Little Horn. C'est pas juste un effet rigolo, mais c'est une vraie utilité. Vas-y, hein, on clear, on clear. On sait jamais, hein. Super, super. Ah non mais je prends cher. C'est des ennemis d'élite en fait ces trucs là. Il y a un cœur rouge dans l'étage ou... Oh là là. Il est violent lui hein. Oui il y en a un dans la salle de boss. Purée. Je sais pas ce que ça va donner le combat avec The Beast, hein. Parce que là, déjà j'ai pas un excellent DPS, et puis la barre de vie elle est pas ouf hein, non plus. Hein. Oh mais il y a une autre crate qui encore. J'ai laissé vraiment des trinkets partout quoi. Ça c'est quoi ça? Answers. Oh putain je l'ai pas vu, oh là là. Il y a des salles secrètes ou pas? Non. Ah putain, il n'y a même pas de salle secrète. Ah, attends. Donc, il y a une crack key dans la salle de boss. Ouais, mais bon, c'est pour avoir des salles où il y a des ennemis bof, quoi. Là, je peux générer. Oh! Oh, c'était une salle d'arcade! Putain, mais c'est bien, en fait. Bon, c'est une salle d'arcade avec des machines pas très intéressantes, mais... Oh, la boussole. Bon, elle sert pas à grand-chose, hein, là. Mais bon, c'est rigolo. Ça aussi, c'est un ennemi d'élite, je parie. Pas que j'oublie ma crack key surtout. Je vais aller chercher maintenant. Hein.
Oh là, mais je suis tellement lent. Ah, remarque, on est remonté à 1-10. Hein. Finalement, on a réussi à remonter à plus de 1. Ah, mais c'était l'effet du Magic Mushroom. Ah, j'ai rien dit. C'est le Liberty Cap qui, de temps en temps, me donne un boost de vitesse. Ah, mais c'est marrant, hein, l'histoire de la Red Key, là. La salle d'arcade, là, K-pop, là. Bon, vas-y, on peut tenter, là. Puberté. D'accord. Ça va, puberté. Alors, encore un ennemi de lit, mais j'ai envie de dire, tant qu'on n'a pas de cœur bleu et qu'on a des cœurs rouges à rembourser, le lit va nous permettre de nous régénérer. Donc, ça va aller, quoi. Voilà, relou, lui, en fait. Gros sac à PV, hein. En effet, j'avais pas laissé tous les items, mais j'en avais laissé au moins un et c'était intéressant. Ouf. Ah, il était faire mal à mon petit copain. Oh, je pense qu'il s'est pris le couteau, le truc. Hein. Ça va, tant qu'il était sur l'autre, ça m'allait. J'ai un tirail de malade là. Je sais pas quel effet de Liberty Cap j'ai chopé, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'aller dans cette salle en fait. Oula. Oula là, ils ont pris cher là. Le Halo of Light. C'est dommage, hein, que notre luck soit à moins 1, vraiment, hein. On pourrait tellement faire mal. On pourrait avoir un build tellement pété. Là, je pense que le build, il est bien uniquement à cause du... Enfin, grâce au... à la Psyfly, hein. Qui est très défensive, mais... Mais sinon, c'est pas ouf, hein. Sinon, c'est vraiment pas ouf. Oh, super. Le seul coffre rouge de la run, c'est les araignées. Dommage. Merci à Thorax pour le follow. Merci à toi. Hop, il y a quoi là-dedans? Oh, le plaisir. Génial. Une pièce. Donc, ça rien de dormir dans le lit parce que on est déjà full life. Voilà. Il faudrait être no life pour avoir 3 cœurs bleus. On débloque Isaac. Qui a l'air d'avoir pris cher, hein.
Mom's Eye. Ouais, ça va pas forcément m'aider dans Contre the Beast, mais on va voir. On va voir. Maintenant, faut survivre pour avoir au moins cet achievement. Oh là là, mais j'ai pop sur lui, c'est scandaleux. Voilà, on tape la télé, là. Oh là là, c'est dégueulasse. Ouais, vas-y. Oh putain, c'est sur moi maintenant. Bâtard. Ah, il l'a fait vraiment sur l'autre. Ça me va très bien. Oh là là. Dangerous. Il me fait tout le temps la même attaque, mais moi ça me va. Je la... Merde. J'allais dire j'arrive à la doser celle-là, mais non. Ah, je veux bien qu'il commence à faire autre chose. Oh putain! Non! Oh là là, sérieusement. Là, j'ai pris la max. J'arrivais vraiment pas à me placer. Heureusement, il y a la Psy Fly là. Oh merde, j'ai rien dit. Oh là là, il meurt, j'ai un demi-cœur. Je sais pas comment on fait là. Oh, full life! Oh, génial. Le jeu est gentil, hein. Ouais, par contre, faudrait que je puisse toucher le boss, ça serait cool. Il est où là? Et le nuage, il fait pas de la dépression sur lui? C'est vachement bien quand même. Ah là, il tire sur l'autre maintenant. Et j'ai mon smelter qui sert à rien. Ah oui, magnifique. Ah oui, vise l'autre, ça me va. Ça me va très bien. Il est très agréable ce fight parce que, en fait, comme il vise le punching bag. Voilà, ça c'est. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, le Holy Mantle qui s'en va.
Ah mais attends, mais comment j'esquive toute cette merde là? Oh, doucement. Doucement le jeu. Une bombe qui pop, d'accord. Le bombac qui se dit, oh, t'en as peut-être besoin. Après, je dis pas parce que... Comment ça se passe les bombes comme ça? Ah, ça tombe. Voilà. J'ai tellement pas vu arriver. Ouais, vas-y, va voir l'autre là. Oh là là, oh là là, c'est n'importe quoi, ce pattern. Une bombe. Merci, bombag. Merci. Ah, le plein sa attaque, il m'a régène. Mais bon, c'est une fois toutes les heures, donc... ça peut être un peu lent, quand même, pour récupérer de la vie. Oh là là, oh là là. Quel pattern horrible. Aïe. Bon, maintenant c'est The Beast. Va falloir faire gaffe. Ah là, j'ai l'effet du Magic Mushroom, là, parce que mon tir rate a explosé. Alors comme notre build il est pas excellent, le DPS ne permet pas de faire énormément de dégâts. Du coup on passe pas encore à la phase où il fait d'autres patterns. On reste dans ce cet aller-retour. Ah merde, j'ai oublié ça. Putain, juste chaud. Oh là là! Ouais, ça j'aime pas. Voilà, il fait d'autres trucs maintenant. Oh là là! Maintenant, faut guetter le moment où il revient. Et à quel endroit, voilà. Voilà. Aïe, 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 aïe.
Ah, parfait. Then suddenly, the sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder, and setting the blood lake to a boil. As the beast descended down into the lake of fire, Isaac ascended towards the crack in the sky, and as he flew, he could see echoes of his past before him. He saw his mother mourning the loss of her son. He saw his father leaving them without turning to say goodbye. He saw his mother sleeping and his father taking money from her purse. He heard the late night fights they had that kept him up at night, and the guilt he felt for what he believed he was causing. He felt the pain in his stomach during those sleepless nights and saw his shadow in the closet waiting for him. As he rose, he felt his fears drop from his body, his shame, his worry, pulled from his being. As he became lighter, his ascent became faster. He saw his one true companion alive and well. He saw his mother and father together again, holding each other. He felt his mother kissing him on the head after he had said his prayers, and the comfort in knowing someone was watching over him. He saw his own birth, and the faces of his parents filled with joy and optimism. And then he saw nothing. Are you sure this is how you want this story to end, Isaac? You're the one writing it. It doesn't have to end this way. Here, how about we tell it a different way? Maybe a happy ending? Okay, Daddy. Good. Are you getting sleepy yet? Yeah. Okay. So, Isaac and his parents lived in a small house on the top of a hill. J'adore cette fin. Options. On va débloquer ça. Un peu long run, mais vous avez le chapitrage sur YouTube. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis la bise. À bientôt sur Triforce TV pour une nouvelle run Isaac Repentance.